années. Ben, laisse-moi juste y penser, là. Il y a eu François, il y a eu Patrick, ça c'était au party déguisé, puis il y a eu Arnaud. Ah, t'as embrassé Arnaud? Le Arnaud du secondaire, là? Ben oui, moi c'est les gars plus vieux qui m'intéressent. Toi? Ben, moi je demande pas grand-chose, juste qu'il soit beau puis intelligent. Quoique c'est peut-être trop demandé pour un même gars. Mais le plus important, là, c'est qu'il embrasse bien. Les gars plus vieux, ils embrassent mieux parce qu'ils ont une meilleure technique. Ah ouais? C'est quoi leur technique? Ben, ces techniques-là... Ben, tu sais ce que je veux dire? Mais toi, quand t'embrasses un gars, qu'est-ce que tu trouves le plus fun? Oh, ben, c'est un peu tout, là. Oui, mais en particulier, là, il y a sûrement un moment que tu préfères. Ben, attends un peu, là, laisse-moi y penser 2 minutes. Elle peut pas changer de sujet, là. Elle est pire que Simon avec son hockey. Écoute donc, toi, es-tu sûr que t'as déjà embrassé un gars? Mais oui, là, voyons donc. OK, d'abord. Vérité aux conséquences. Oh non, tout, mais pas ça! Arrête de te défiler, là. Vérité aux conséquences. Hey, je le sais qu'elle va me demander si j'ai déjà embrassé un gars. Ah, oh, je l'haïs, ce jeu-là, tout à coup, là. Bon, vérité qu'on en finisse. Est-ce que t'as déjà embrassé un gars? Non, bon. Tu me niaises, là? Karine, je peux pas te mentir, j'ai choisi vérité. Ah, j'en reviens pas. C'est trop comique. Hey, les filles! Célina, j'en m'envoie cette gars! Célina, j'en m'envoie cette gars! Célina, j'en m'envoie cette gars! Hey, non, 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 je peux pas choisir vérité, là, sinon je suis faite! Arrête de te défiler, là. Vérité aux conséquences? Conséquences. Ha ha! Tu savais que j'allais te demander si t'avais déjà embrassé un gars. Si t'as choisi conséquences, là, c'est parce que t'as jamais embrassé de gars. Elle a raison. J'en reviens pas. C'est trop comique. Hey, les filles! Célina, j'ai m'embrassé de gars! Célina, j'ai m'embrassé de gars! Célina, j'ai m'embrassé de gars! Oh non, là, ça recommence d'un côté comme de l'autre, je suis faite. À moins que... Oh, pis tant pis, là, j'ai pas le choix. Arrête de te défiler, là. Vérité aux conséquences? Vérité. Est-ce que t'as déjà embrassé un gars? Ouais. C'était qui? Ah, là, j'ai répondu, c'est à ton tour. Vérité aux conséquences? Conséquences. Ah, tiens, as-tu peur de la question que je vais te poser? Ben non, c'est juste pour le fun de voir ma punition. OK. Tu vas donner un bec à la première personne qui passe la porte. Est-ce que tu... Bon, qu'est-ce qui se passe ici dedans? On arrive, monsieur Mongeau, là. Si vous aviez le droit d'être ici jusqu'à 6 heures le soir, ça s'appellerait pas une salle de dîner. Ça s'appellerait une salle de souper, hein? Oui, c'est mon jeu. Hey, le 53, viens ici, madame. Thomas, aide-leur donc à ramasser un petit peu, sinon ça risque de devenir une salle de coucher, hein? Oui, monsieur, bonjour. Il est en forme aujourd'hui, hein? Je veux savoir c'est qui t'a embrassé. Ah, mais je vais te le dire une fois que tu vas avoir fait ta conséquence. On se dit des petits secrets, hein? On a des choses à cacher aux surveillants du dîner. Faites attention, vous autres, les petites filles, parce que... Excusez-moi, hein? C'est sorti tout seul. Elle l'a fait. Je repasse l'éponge pour cette fois-ci, hein? Mais je vous avertis, ça sert à rien d'essayer de me m'adouer. Hein? Allez, à vos affaires, puis ça presse, là. Oui, monsieur Manchou, tu... Pis, steak. Oh, t'es donc bien fatigante. Hey, là, faut que j'embrasse un gars, puis ça presse. Comme ça, mon mensonge, j'en sera pas vraiment un. Mais qui? Allez-vous arrêter de papoter, hein? Sinon, vous allez vous ramasser en retenue, comme Thomas. Hein? Thomas est en retenue? Pourquoi? J'ai fait du bruit en finissant mon jus. Si vous voulez me voir choqué, je vous avertis, c'est pas beau de suite. Pas choqué non plus, d'ailleurs. Hein? Oh, qui c'est qui a fait ça? Ben, c'est moi, M. Mongeau. Ah, ben non, pas du tout, là. C'est moi. Essaye pas de me couvrir, Thomas. Ah, ça, je l'aurais parié.
Un geste criminel, comme celui-là, là, ça, c'est dans le genre de la famille L'Espérance. Oui, sauf que moi, c'est la porte. Ah. Écoute-moi bien, la petite Laporte. Justement, tu vas la prendre, la porte. Mais tu vas revenir ici, après tes cours, en retenue. C'est ça que tu voulais, hein? C'est ça que tu voulais, hein? Oui, exactement ça. Oui, entrez. Hey, Mathieu, comment ça va? Salut, Denis, ouais, ça va. T'es chanceux de m'attraper, là, je m'en allais travailler. Oui. Ben, je suis un petit peu gêné de te demander ça, Denis, mais est-ce que je peux venir travailler ici? C'est parce que chez nous, là, ma mère fait repeindre le salon, puis l'odeur de peinture me donne mal à la tête. T'es sûr que c'est pas tes devoirs qui te donnent cet effet-là? Écoute, je vois pas de problème à ce que tu viennes travailler ici. Ouais. Ben, j'ai essayé chez Victoria, mais il y a pas personne à la maison. Ben, écoute, fais comme chez vous, tu vas être tranquille. Manolo rentre pas après l'école, puis Célina est en retenue. Hein? Célina est en retenue? Ben, voyons, qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-le pas à personne, là, mais avant de la drogue. Non, je te niaise. Je sais pas ce qu'elle a fait, là. Je vais en discuter avec elle ce soir. Fait que, fais comme chez vous, comme je t'ai dit, hein? Sors-toi bien à l'aise. Bon. Oublie pas de faire la vaisselle. Ouais. Merci. Allez, là. Bye bye. Salut. Oh. Hey, Fiou, t'es là. Hey, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce qui se passe, là? Puis comment t'as fait pour savoir que j'étais ici? Ah, mais c'est ta mère qui me l'a dit, là. Mathieu, faut absolument que tu m'aides, là. C'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort? Attends, laisse-moi deviner. T'as un bouton microscopique sur le bout du nez. Mathieu, là, je te jure que je niaise pas. Faut que tu m'aides à préparer mon examen de maths, là. C'est demain, puis je comprends rien. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai une tonne de travaux à faire, là, puis j'ai mon entraînement dans une demi-heure. Mais à part de ça, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas de cours cet après-midi? Ben, pendant mon cours d'anglais, je me suis sentie mal, puis j'ai perdu connaissance. Ah, pourtant, t'as l'air en pleine forme. Mais il fallait bien que je trouve un moyen pour venir te rejoindre, là. Tu vois bien que je niaise pas. Ouais. Mais pourquoi tu ne demandes pas à Marianne? J'ai besoin d'une bolle. Je ne demanderai pas à Marianne. Mais c'est parce que ça donne vraiment pas. Oh, Mathieu, là, si tu m'aides pas, je sais pas ce que je vais faire, là. Hey, c'est la deuxième reprise, là. Je peux pas la couler. Sinon, ce qui m'attend, c'est les cours d'été. Ouais, c'est pas le gros party. Mais ça, c'est l'enfer. Oh, j'ai pas le goût de passer l'été dans une salle de classe éclairée au néon, là. Pas de bronzage, pas de vacances, pas d'amis. Bon, OK. Mais c'est vraiment parce qu'elle était hyper mal prise. Oh, merci, Mathieu, merci. Oups, excuse, c'est parti tout seul. Je reconnais que notre surveillant des dîners, Monsieur André Mongeau, a eu raison de me garder en retenue pour faire sûr que je ne recommence pas. Excusez-moi. Oui? C'est parce que faire sûr, c'est pas français. Comment ça, c'est pas français? Faire, c'est français. Sûr, c'est français. Fait, je vois pas pourquoi faire sûr serait pas français. Mais c'est un anglicisme. On a appris ça dans notre cours de français. Ah oui? Non, je le savais. C'est évident. Je voulais juste faire sûr que tu t'en aperçoives. Capiche? Oui, oui, Monsieur Mongeau. Hey, une chance qu'il est pas prof, lui, parce qu'il ferait sûr que tout le monde coule. Oui? On l'a copié 50 fois, la phrase, Monsieur Mongeau? Non. 60, à cause de l'insolence de la petite L'Espérance. Ouais, faut pas que je lui dise que mon nom, c'est Laporte, sinon on va la copier 100 fois, la phrase. Je reviens chercher vos copies dans une petite demi-heure, là, hein? Je vous fais confiance, là, pas de niaisage, pas d'énervage. Quand on est en retenue, on agit avec retenue. Avec retenue, c'est une blague. Ah, OK. Ah, ah. Ça se peut pas être pénible comme ça. Une gomme? Mais non, non, arrête ça. Si mon jour nous prend avec ça, là, il va nous la faire copier 1000 fois la phrase. Je prends le risque. S'il arrive, ben, je la colle en dessous de la table. On est tout seuls tous les deux. C'est le moment idéal pour lui demander de m'embrasser. J'espère qu'il pensera pas que... Thomas, je... Oups. Ben, pourvu que mon joueur arrive pas, hein. Qu'est-ce que vous l'avez demandé? Non, on laisse faire rien. Ah, ouais. Ouais, ma ballonne aussi vient de péter, hein. Célina, souris!
Célina, la porte carpentier en retenue, hein? C'est un moment historique, faut garder un souvenir de ça. Ah ah ah, très drôle. Hey, j'espère que t'as bientôt fini, notre répétition commence dans 2 minutes. Oui, oui. Il a quel âge? Bon, ça recommence. Hey, t'es vraiment fatigante avec tes questions, hein? Mais là, si tu me répondais, on n'aurait pas de problème. Bon, ben j'ai fini, là. Je vais vous laisser pratiquer. Donc, toi, m'as-tu dit la vérité? Mais oui, là, j'en ai déjà embrassé un gars. Mais pourquoi tu veux pas me dire de qui il s'agit, d'abord? Oh, est-ce qu'elle va finir par me laisser tranquille? Regarde, je vais te le dire demain, OK? Ça va? Je te comprends pas. On dirait que t'as honte d'avoir embrassé un gars. Pas du tout, là. Tu dis n'importe quoi. Si tu veux pas me dire c'est qui, c'est peut-être parce que c'est un gars qui a pas d'allure, hein? Un deux de pique, un moron fini. Non, non, non. Au contraire, c'est un super beau gars, là. Tu vas mourir de jalousie quand tu vas savoir son nom. Wow! Là, tu m'intéresses! Je vais essayer de deviner, OK? Un gars qui me rendrait jalouse. Éric? Non. Jérémy? Ah, oh, essaye pas, là! Pas Mathieu, toujours? C'est Mathieu? Wow, Célina, franchement, tu m'impressionnes! Moi aussi! Ton propre cousin? Tu me niaises pas, là? C'était pas un bec d'enfant de 3 ans? Qu'est-ce que je fais, là? Est-ce que je continue à mentir ou je lui dis tout? Ben non, mais non, c'est un vrai bec, là. En plus, ça fait pas longtemps de ça. Oh, je me reconnais plus. Attends que je dise ça à Chloé. Chloé? Célina à la porte. Mathieu m'a déjà embrassé. Mathieu réplique. C'est même pas vrai. Hey, wow, là, tu dis pas ça à personne. Si c'est pas moi qui ai dit, c'est une autre qui va y dire. Hey, non, 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 non. Hey, promets-moi que t'en parleras pas. OK, OK, c'est promis. Ouais. Je sais ce qu'elles valent, ces promesses. Oh, comment je vais faire pour me sortir de ça? Hey, mais j'en reviens pas, là. Je comprends tout. Hey, c'est pas normal. Ben, au contraire, c'est ça qui est normal. Ouais, mais je suis pas habituée, là. Ça va venir, inquiète-toi pas. Hey, ben, merci infiniment, Mathieu. Hein. C'était vraiment fin de ta part. Et quand je vais dire ça à Marianne... Ben non, hey, tu peux pas dire ça à Marianne. Oh, c'est vrai, elle pense que je suis malade chez nous. Ouais. Bon, ben tiens. Ah, oh, merci. T'as les mains froides? Ouais, j'ai toujours les mains froides. Donne. Ça fait du bien. C'est bien moi, ça. Le téléphone n'a pas sonné tout l'après-midi, puis là, juste au bon moment. Ouais. Je suis pas chanceuse. Oh, on dirait que c'est le genre d'affaires qui arrive juste d'un vu, mais c'est... non. Ben, réponds-tu? Ah non, non, je vais laisser la boîte vocale le prendre. C'est sûrement pas pour moi, de toute façon. Non, mais je pense que c'est mieux que j'y aille, hein. Ouais, je... Non, Annabelle, attends. On n'était pas en train de faire quelque chose, nous autres? Ouais, il me semble. Attends que je me rappelle. Mm. Hey, je veux pas que personne me voie ici, moi. Mathieu, t'es là? C'est moi. Oh. Oui, je suis là. Hey, calme-toi, là, Annabelle. Mais là, tout le monde pense que je suis malade chez nous. Hey, je veux pas que mon prof apprenne que je suis petit, pis Marianne encore moins. Hey, dépêche-toi de la faire sortir, là, que je puisse me sauver. Oh. Hey, non, tu vas quand même pas te cacher, là. Oh, OK. J'arrive! Chère Célina, ça fait longtemps que je vis avec un secret qui est devenu très lourd à porter. J'ai jamais osé te le dire parce que j'étais trop gênée. Mais maintenant, c'est différent. Je dois te le dire parce que je sais que plein de gars s'intéressent à toi. Je sais que des gars s'intéressent à toi. Je sais qu'un gars s'intéresse à toi. Le genre de gars super beau qui rend toutes les autres filles jalouses. Moi, à côté, je suis sûrement pas grand-chose, mais tant pis. Ça change rien au fait que je t'aime, Célina. Pour moi, t'es la fille la plus cool au monde, parce que t'es différente des autres. T'es super jolie, t'es fine, mais intéressante. Bon, voilà, je te l'ai dit. Je sais que toi, tu m'aimes pas, mais c'est pas grave. Garde ma lettre au cas où. Peut-être qu'un jour, tu changeras d'idée. Je t'aime, Célina. Signé, Thomas. C'est ta mère qui m'a dit que t'étais ici. Ben oui, j'avais besoin d'être seule pour étudier. J'ai une tonne de travaux à faire, tu comprends ça? Ah ben oui, hein? S'il y en a une qui comprend ça, c'est ben moi. Ça te tenterait-tu d'aller voir un film? Un film?
Tu parles d'une drôle d'heure pour aller voir un film. Tu m'invites au cinéma, là. Ah non, non, moi je resterai ici, là, mais je te paye le billet. Ça te tente-tu? Ouais, on peut pas dire qu'il me facilite la tâche. Ah, mais regarde, c'est très gentil, là, merci, mais une autre fois, OK? Là, il faut que je te parle. Ah, mais quand? Est-ce qu'on va parler dehors, là? On préfère une grande marche, hein? Dis oui, dis oui! Comment j'ai pu penser une seconde que j'aurais pu faire ça? C'est complètement ridicule, là. Qu'est-ce qu'il y a, Céline? À quoi tu penses? Ah, rien, rien, c'est pas important. Je peux quand même pas lui dire que je pense à ça. Mathieu, il faut absolument que je t'embrasse, ça te dérange pas trop? Non, 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 pas de problème. Bon, okay. Ouais, faut vraiment être nounoun. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, Mathieu, fais-toi en pas si demain, Karine Blanchard raconte à tout le monde là, qu'on s'est embrassé. C'est quoi cette histoire-là? Ouais. Ben, c'est une longue histoire, là. Ça a commencé par une séance de vérité ou conséquence entre moi et Karine. Bon, là... est-ce qu'on va parler de ça dehors? J'ai besoin de prendre l'air. OK, mais c'est une bonne idée. Oh, super idée! Hein? C'est déjà mon père? Écoute, donc, c'est plus achalandé ici qu'une station de métro. Mathieu, faut que tu viennes, là, ta mère s'est blessée. Voyons, c'est-tu grave? On le sait pas encore, la Victoria est avec elle à l'urgence. Elle manque une marche puis elle a doublé l'escalier. Pourquoi tu m'as pas appelé, Denis? Pardon? J'ai essayé d'appeler, ça a jamais répondu. Ah, non. Je suis sûre qu'elle a fait exprès, là, juste pour m'empêcher de partir. Bon, dépêche-toi, là, à tata. Ben, regarde, j'irai porter tes affaires chez toi. Bon, OK, j'y vais. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau, OK? Parfait. Bye-bye. Bye, à la semaine prochaine. Corinne, je peux te parler dans le creux du particulier? Oui. Allez-y. Eh bien, voilà. C'est à propos de ce qui s'est passé ce midi. Oui, je sais qu'on s'est éternisé trop longtemps dans la salle des dîners, là, mais je vous jure qu'on le fera plus, M. Mongeau. Non, 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 c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de... De quand tu m'as... Ah, quand je vous ai donné un bec! C'est pas si fort, c'est délicat, ces histoires-là. Comment je dirais bien ça? Écoute, ça tient en trois mots, hein? Fais attention. Des jeunes filles qui s'amouragent d'un homme mûr, ça arrive dans les meilleures familles, ça. Et je le sais que je suis quand même assez beau bonhomme. Monsieur Mongeau, je pense que vous vous en faites pour rien, là. Quand je vous ai donné un bec, je jouais à vérité aux conséquences avec Célina. Ah oui? C'est quoi, ce jeu-là? Ben, c'est un jeu où on doit choisir entre répondre à une question ou faire une conséquence. Une conséquence? Ah, comme une punition, hein? J'aime ça, ces jeux-là. Ouais, ben, quand je vous ai donné un bec, ben, c'était ma conséquence. Ou comme vous disiez... ma punition. Ah, il n'y avait pas de love story. Inquiétez-vous pas, hein, il n'y avait rien du tout. Ah, je le savais, voyons, qu'est-ce que tu penses? Seulement, je vais te mettre en garde, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Et puis, des becs en punition, ces heures du dîner, je ne veux plus voir ça. Compris? Hein? Compris, M. Mongeau. C'est mieux, là, va vaquer. Hein? Tu parles des jeux de malade. Bon, ben écoute, c'est des bonnes nouvelles, ça. Je suis bien content d'apprendre ça. Merci d'avoir appelé, hein. Puis, Mathieu, tu salueras ta mère. Salut. Élisa, rien de cassé, c'est juste un gros bleu. Ah, au moins une histoire qui finit bien. Pardon, mademoiselle Célina, vous êtes restée en retenue cet après-midi? Ouais, ça a l'air à ça, oui. C'est pas dans tes habitudes, ça, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé mon petit gâteau dans le dos du surveillant. Quoi? Non, mais pourquoi t'as fait ça, là? Ben, même si je te l'expliquais, là, je suis pas sûre que tu me croirais. Pourquoi pas? T'es pas une menteuse, toi, Célina? Quand tu me dis quelque chose, je le sais que c'est vrai. Et ça fait du bien d'entendre ça aujourd'hui. OK, je vais te l'expliquer, là, mais je t'avertis, c'est long puis c'est compliqué. OK. Pour pas que Karine pense que je suis une menteuse, là, j'ai même pensé embrasser Mathieu. T'imagines-tu? Mathieu? Ton cousin? Ah, c'est vrai qu'il est un petit peu pichou. Hein. Tu comprends ce que je veux dire, là? Mais là, qu'est-ce que je fais? Il y a pas 36 solutions. Hein. Il faut que tu dises toute la vérité à ton ami. Ouais, mais c'est pas évident. Tu sais, papa, je vais passer pour la nerd de l'école. Ben là, reviens-en. Écoute, dans mon temps, là,
On se prenait par la main pour la première fois à 25-26 ans, on s'embrassait à 40, puis pour le reste, ben, c'était pas avant 55-60. Ouais, rendu là, vous deviez avoir hâte, hein? Non, mais c'est parce que si je lui dis la vérité, là, elle va savoir que j'ai menti à vérité aux conséquences, puis ça, c'est hyper grave. Ouais, mais ce qui est encore plus grave, là, c'est de fuir ses responsabilités. Hmm? Ton ami, elle n'en dit jamais de mensonges, hein? Ben là, c'est sûr qu'elle en dit, hein, mais... Oh, je sais pas, c'est pas évident. Une autre bonne raison de dire toute la vérité, là, c'est qu'après ça, tu vas dormir beaucoup mieux, ça, c'est garanti. Ouais, c'est vrai, t'as raison, papa, t'es super cool. Oh, je suis plus capable, là, faut que je reste là. Annabelle! Tu m'as fait peur, toi, là, là. Mais là, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je vais tout vous expliquer, OK? Est-ce que ça fait longtemps, là, que t'es ici? Inquiète-toi pas, Céline, là, je dirais pas à Karine que t'as menti à vérité aux conséquences, que t'as même attrapé une retenue exprès pour embrasser Thomas, puis que t'as même essayé d'embrasser Mathieu, je le dirais pas, je m'en rappelle même plus. Je vais y aller, là. Moi, je vous retiendrai pas plus longtemps. Non, 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 attends une seconde, là. Qu'est-ce qui me prouve que tu le diras pas, Marianne? D'habitude, quand il y a un potin dans l'air... Céline, t'as de la visite! Céline, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose de très important. Ah, ben, ça tombe bien parce que moi aussi. Ah ouais? Ben, vas-y, commence. OK. Thomas, je... Ben là, je sais pas trop comment te dire ça. Cet après-midi, j'ai failli t'embrasser. Ah ouais? Oui, mais c'est à cause d'un défi, là. C'est parce que j'ai joué à vérité aux conséquences avec Karine, là. Puis là, j'ai choisi vérité. Elle m'a demandé si j'avais déjà embrassé un gars, puis j'ai dit oui. Ah bon? Ouais, mais ça, c'était pas vrai du tout, là. Moi, j'ai jamais embrassé personne. J'ai menti parce que j'ai eu peur de faire rire de moi par Karine. Ah ouais? Ben oui, tu sais, j'ai triché à vérité aux conséquences, puis ça, c'est pas cool du tout, là. Fait que là, j'ai paniqué, et j'ai voulu changer mon mensonge en presque vérité. C'est pour ça que je restais en retenue, parce que, ben, je savais que tu serais là, toi aussi, là. Puis c'est à ce moment-là que t'as pensé m'embrasser? Exactement, oui. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Ben, c'est à cause de ta gomme ballon, là, tu sais, elle a tout fait rater. Avoir su, je l'aurais laissé dans ma poche. Ah oui? Ça veut dire que... T'aurais aimé ça, m'embrasser? Non, là. Ben, pas non, là, mais je veux dire, juste pour le kick, tu sais, pour t'aider dans ton défi. OK. Ouais. Ben, c'est juste pour le kick, là. Dans le fond, ça veut pas dire qu'on se rend amour, là. Ah, ben non, c'est sûr. Pis là, maintenant, là, est-ce que ça te tentera encore? Ben, juste pour le kick? Ah, ben, automatique. C'est le fun, finalement, embrasser un gars, hein? Automatique. Mais embrasser une fille aussi, hein? Ouais. Mais c'est peut-être pas de mes affaires, là, mais... Ben, est-ce que je suis la... La première? Ouais, t'es la première. Ben, à part ma cousine Shandy, mais elle, ça compte pas, là. Elle french toutes ses cousins. Oui. Bon, ben, bye, hein, il faut que j'y aille. Ah non, mais attends, ça fait pas quelque chose d'important à me dire, toi aussi? Ouais, ben, je voulais savoir pourquoi t'avais lancé le gâteau sur le bonhomme bonjour, là, mais je le sais maintenant, hein? Automatique.